Salam alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à adorer Allah et à abandonner l'adoration des idoles. Il leur a appris de dire qu'il n'est de Dieu que Allah et qu'il est le messager de Allah. Il leur a appris que la croyance en Allah et en son messager est la meilleure des œuvres, que celui qui meurt en ayant la bonne croyance entrera assurément au paradis, que l'islam est la religion de tous les prophètes, que le plus grand des péchés est la mécréance, que celui qui meurt en étant mécréant entrera en enfer dans lequel il demeurera éternellement. De même, tous les prophètes sont musulmans. Tous les prophètes ont dit « La ilaha illallah » n'est de Dieu que Allah. Notre maître Adam alayhi salam est un prophète et il est musulman. Il est le premier des prophètes. Notre maître Nuh alayhi salam est un prophète et il est musulman. Notre maître Ibrahim alayhi salam est un prophète et il est musulman. Notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète et il est musulman. Il est le dernier des prophètes et il est le meilleur d'entre eux. Moi j'aime tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum wa salamu alaykum.